Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Disneyland Paris et on commence cette saison d'Halloween par un food tour. Voilà. Alors, j'ai déjà un petit peu assisté au reste des festivités qui sont proposées cette année et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, sur celle-ci, on va se concentrer sur tout ce qui est à grignoter, déguster. Voilà. On va commencer par aller manger le menu d'Halloween du Café Hyperion. Donc là, je suis à Discoveryland. Et ensuite, je vous emmènerai découvrir les autres snacks, tout ce qu'il y a à découvrir là. En termes de food, de boissons également, d'Halloween, tout ce qui est proposé, je vais essayer d'en tester un maximum. Donc ça sera dans cette vidéo et pour le reste, ça sera dans des vidéos séparées. Donc, on y va tout de suite, c'est parti. Nous voilà installés à l'Hyperion. Alors faut savoir que je viens jamais d'habitude à l'Hyperion. C'est clairement pas un de mes fast-foods préférés, mais là le burger d'Halloween il me donnait envie. Du coup j'ai pris le menu qui est à 17€. Évidemment c'est le menu le plus cher de la carte, hein. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et il est composé du coup d'un burger, d'un dessert, boisson, frites. Donc pour le coup il y a tout parce que je crois qu'il y a des fast-foods où il n'y a pas tout. Vous avez plus le dessert il me semble. Et dans le menu, dans le burger pardon, c'est un pain. Alors je pensais qu'il était noir, mais en fait finalement il n'est pas si noir que ça. Et vous avez des pickles de chou rouge, une sauce au poivre, le steak forcément, le cheddar et de la roquette. Voilà, donc je goûte ça, je vais pas vous faire la vidéo de moi en train de manger, donc je vous en parle après. Et ensuite on passe aux autres snacks. Alors, du coup, bilan de ce premier menu d'Halloween. Alors, j'ai préféré venir ici plutôt que d'aller au Lucky. Je vais pas tous les faire, par exemple, je ferai pas tout ce qui est proposé dans les restos type Plaza, voilà, les anciens buffets. Clairement, ça, je le ferai pas sur cette vidéo. J'aurai peut-être l'occasion d'y passer là sur le mois d'octobre. Mais là, dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de ces parties-là. Je vais vraiment vous parler que des snacks et des menus, du coup, que j'aurai testé. Alors, le menu, du coup, je vous ai dit, il est à 17€. En termes de contenu, donc, je vous ai dit, il y a un burger. Il y a le dessert, il y a les frites, il y a la boisson. Je vais commencer par le burger. Le burger, franchement, il est très copieux. Mais j'ai pas pu le terminer hein, parce qu'il est vraiment, vraiment très copieux. Il refroidit assez vite le temps que je fasse mes trucs et tout. Enfin, il était déjà pas super chaud. Je pensais que le pain serait plus foncé que ça. Mais en fait, non. Mais sinon, globalement, c'était quand même très, très bon. On sent beaucoup les pickles, justement, de chou rouge. Mais c'était... Voilà, franchement, c'était pas mal. Alors au niveau du prix c'est un peu cher bien sûr pour ce que c'est, mais encore une fois on est à Disneyland donc on est toujours sur des prix qui sont un petit peu plus chers que ce qu'on va trouver dans les fast-food à l'extérieur. Le dessert franchement c'était la bonne surprise, j'aime pas les desserts aux fruits, je suis pas du tout dessert aux fruits et là je l'ai pris vraiment pour tester la prestation de la saison et ce petit dessert à la pomme, bah finalement c'était pas mal du tout, c'était... J'irais pas jusqu'à dire léger parce que la mousse elle était quand même assez compacte, voilà. En gros vous avez la mousse donc à la pomme, à l'intérieur vous avez un cœur avec des tout petits morceaux de pomme en compoté. En théorie il y a un biscuit à l'amande que j'ai pas du tout senti, mais par contre le reste c'est plutôt frais, plutôt bon, c'est pas trop lourd, pas trop sucré, c'est pas du tout acide, je pensais vraiment que ce serait plus acidulé que ça. Donc bon, sans forcément vous dire que je vais en reprendre à chaque fois, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc là on va aller déguster d'autres petits snacks qu'on va trouver un petit peu à droite à gauche et à Frontierland et sur Main Street USA, donc j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres choses. T'es si loin que ça là? Ah oui, bah oui, sinon je vois pas ta tête et le cupcake. C'est vrai? C'est quoi déjà du coup? C'est cœur cassis hein. C'est ça que Maléfique? Je sais pas du tout moi. Je commence par le truc de Maléfique. Cassis caramel? Heureusement qu'il y a des gens qui m'aident hein. Bon chocolat ça va, c'est normal hein. Ça va être pratique. Mmh, elle va en mettre partout. Ça va être la merde. Ah ouais, vous êtes en train d'attendre que je galère. Non, pas du tout. Du tout. C'est léger ça, c'est bien. C'est bon. Il y
C'est vachement bon ça. Mais c'est au chocolat ça. Ah, c'est bon. Non. Garde-nous de la crème, on veut goûter. Bon attends, je cherche le cœur hein, par contre. Hein. Il est tout petit hein. C'est bien, il y a personne qui nous regarde, c'est très cool. N'arrive pas à trouver le cœur. Attends, on fait voir. Ouais. C'est subtil. C'est pas pratique hein. Franchement c'est grave bon. C'est très bon mais c'est pas pratique du tout hein. Allez on va manger les bouchées au fromage, c'est ça? Durci là, on y va. Alors, donc on est où? On est à Cool Post et c'est là qu'on a trouvé ce doigt de sorcière parce qu'il n'y en avait plus en fait à Frontierland. Donc c'est le premier jour et il y a déjà des ruptures. Donc on l'a trouvé ici à Cool Post et donc... 1 euro. Tu vois? Alors quand on me demande pourquoi je filme pas les gens qui sont avec moi, c'est pour ça en fait. C'est pour leur éviter de s'afficher comme ça. C'est de la guimauve enrobée de chocolat au lait quoi. C'est combien ça? 4 euros? Ouais à peu près. Non tiens, je te le rends. Merci. C'est bon, allez je continue mon snack tour. Du coup j'ai pris les petits muffins là qui sont donc vendus à Cable Car, à Cookie Kitchen aussi. Donc ils sont vendus soit à l'unité comme ça à 4 euros, soit en pause gourmande avec un café à 6,80. Du coup ce qui vous fait économiser 50 centimes sur le café. Et on a également pris du coup les cookies que je vous mets là en même temps à l'écran. Il y en a un chocolat blanc framboise, un tout chocolat. Il y en a pris aussi le muffin tout chocolat, voilà donc on va tester tout ça. Les fameux croquants au fromage d'Ursula, ceux-là là. Ici. Donc ils étaient bien vendus là où c'était fermé hier. Parce que là on est samedi. Donc le vendredi c'était fermé. Et ces petits croquants ils sont comme ça. Donc déjà ils sont beaucoup plus petits que ce que je pensais vu la photo. Donc je suis un petit peu déçue. Et j'en ai déjà goûté un et en fait je suis encore plus déçue parce que je pensais que c'était du fromage fondu à l'intérieur. Et pas du tout. Oh. Donc au final c'est de la pâte feuilletée au fromage. J'ai payé ça 6 euros, je suis un peu dégoûtée en fait. C'est pas mauvais hein, mais c'est froid. Il n'y a pas de fromage fondu. Du coup je compte sur les autres pour m'aider à finir. T'en veux? Pendant que j'y étais, avant qu'il n'y en ait plus, que j'ai quand même peur maintenant, j'ai pris ceci au même endroit, donc juste à côté du Lucky Nugget. Qui est donc un sablé. Encore, je crois que c'est confiture de fraises. Celui-là. Et le Cruella. Qui est, oh surprise, encore un sablé. Au Nutella. Bon, je les garde pour le... pas pour le goûter, mais pour le dessert. Pour l'instant, on va manger. On va pas manger un menu d'Halloween. Ça fait des dégâts. Allez, petite pause goûter ici. On a réussi à trouver une place dans les arcades. Je vous avoue que c'était un peu compliqué. Et il reste ça
du sablé Mickey. C'est pas moi qui l'ai mangé parce que j'aime pas trop ça, c'est à la fraise et bon. Puis c'est un sablé quoi, donc ça n'a rien de passionnant. Mais on va déguster ça, pardon, celui-ci là, ensemble. Et bon, même si je sais à peu près à quoi m'attendre, parce que c'est juste un sablé au Nutella, voilà, faisons-le ensemble. Il est où le Nutella? Mais il a séché. Ouais, c'est vraiment juste le liant pour que les deux trucs tiennent ensemble, quoi. Bah si, mais ça va, enfin, clairement, celui-là, il est plus épais, il est plus copieux que le Mickey, mais... Encore une fois, déjà, c'est un sablé, donc t'as l'impression qu'ils ont que ça. Et je cherche le Nutella. Bah, je vous reprendrai quand je l'aurai trouvé, hein, parce que là... que ces petites choses là c'était meilleur quand c'était trempé dans la soupe de potiron. Donc j'ai essayé, c'est moins pire. Oui, c'est mieux. Qui a éteint la lumière? Ah, merci. C'est moins pire, mais en même temps c'est bizarre cette soupe de potiron avec du ketchup dedans. C'est pas mauvais hein. Mais c'est atypique, comme diraient certains. Je préfère sans quand même, sans ketchup. Mais ces petits croutons Ursula, là, définitivement, je crois que c'est pas pour moi cette année. Hein. Ouais. Finalement j'aime bien. Ouais, je sais pas si c'est le coleslaw, mais carottes, choux, porc effiloché, sauce un peu caramélisée. J'ai pas l'impression qu'il y a du fromage. Il y a des oignons, une espèce de compoté d'oignons, des nachos, des frites au cheddar que je vais laisser à Ness. Non, par contre le sandwich est bon et finalement pas si bourratif que ça. Donc, mais cher par contre le menu hein. 24 balles quoi. Allez, c'est sur ça que du coup se termine ce food tour. Alors je n'ai pas testé l'intégralité des snacks et des menus qui sont proposés là sur cette saison. Il me reste par exemple le menu d'Halloween qui est proposé au Annette à tester. Je le ferai très certainement d'ici la fin du mois, auquel cas je vous en reparlerai bien sûr en story. Il y a aussi 2-3 trucs que j'ai pas pris au niveau des snacks, mais globalement je pense que je vous en ai quand même montré un maximum. Voilà. Alors honnêtement je suis plutôt déçue cette année au niveau des snacks d'Halloween. Je vais vous dire pourquoi, parce que de 1, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement, et de 2, ce sur quoi j'avais le plus d'attentes, en l'occurrence bah forcément la soupe et les petits croquants au fromage que je vous ai montré là sur la fin et que j'avais déjà testé hier et sur lesquels j'avais déjà été déçue, sont beaucoup plus légers que ce que je pensais. Donc voilà, encore une fois on est sur des sablés, encore une fois on est sur des beignets, encore une fois on est sur ce genre de produits qui se font encore et encore et encore depuis des années maintenant ici à Disneyland Paris. Et voilà, je trouve que ça manque vraiment cruellement de renouveau et les prix vont plutôt vers le haut chaque année, sans pour autant du coup que l'offre se diversifie, et ça je trouve que c'est assez décevant. Donc autant cet été j'étais plutôt contente de mon snack tour, là je vous avoue que je reste un peu sur ma faim. Pour faire un vieux jeu de mots tout pourri. Mais ouais, voilà. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez, ce qui vous tente le plus en fait de ce que vous avez vu là dans cette vidéo. Mais moi j'avoue que sur cette saison je vais clairement pas me précipiter sur les snacks. Dommage. L'année dernière il y avait plus de trucs. Alors peut-être qu'il y a encore des choses qui vont arriver, notamment à Boardwalk Candy Palace, qui n'est pas encore passé en mode Halloween au niveau de ce qui est proposé. Il y a encore les Cake Pop, Mickey et Minnie du coup qui étaient là cet été. Donc peut-être parce que l'année dernière c'était le cas, peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera proposé d'ici la fin de la saison.
Là, je vais aller faire mon finish également pour mon vlog sur la saison. Vous allez voir que globalement, je suis plutôt, plutôt déçue cette année. Donc, on est sur une... sur un début de saison demi-teinte. Et si, il y a un dernier truc aussi que je veux préciser, et ça vraiment je trouve que c'est pas cool, c'est que là où j'ai acheté donc les petits croquants au fromage et la soupe, ce sont des cartes qui sont en fait situées en face du Lucky Nugget et du Silver Spur Steakout ici à Frontierland, et ces cartes étaient fermées le vendredi. Je devine que ça veut dire qu'ils seront fermés en semaine, et je trouve que c'est hyper dommage pour les gens qui ne viennent pas du coup le week-end. Voilà. Encore une fois, on est sur des restrictions budgétaires je pense, donc je peux comprendre, mais à ce moment-là tu mets pas les nouveautés snacks dans ces endroits-là. Voilà. Bon, bref, j'attends vos retours sur cette vidéo là dans vos commentaires, voir un petit peu ce qui vous a plu et ce que vous pensez globalement de ce que vous avez vu. En attendant, je vous retrouve dans d'autres vlogs de la saison d'Halloween ici à Disneyland Paris. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, même si vous aimez pas les snacks, c'est vraiment pas de ma faute, voilà. Donc pensez-y parce que ça me fait très très plaisir et c'est important. Je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.